Salut, c'est Nooks. On se retrouve pour l'épisode, j'ai perdu le compte, de Subnautica. Alors, on est dans une zone très spéciale. Vous voyez là-bas, il y a la base. On va y retourner tout simplement parce que je suis revenu avec le cyclope pour récupérer mon Simoff. Je l'avais promis. Donc maintenant, on a à nouveau deux Simoff. Le Simoff normal et le celui qu'on avait modifié spécial, le Neptune 1 avant expédition. Donc, on fera qu'on construise une deuxième Moon Pool. Enfin bon, ça, je ferai ça en off, c'est pas un souci. Et on va explorer la base. Oui, je sais, on va réessayer. Cette fois, si on meurt, c'est pas grave. Alors, je me suis renseigné. Le crab squid, donc la bestiole que nous avons vue, enlève 40% de vie au Simoff à chaque impact. Il faut faire très gaffe. Et il est attiré par la lumière. Et il doit être encore dans les parages. Donc, faut se méfier de cette sale bête. Voilà, regardez-le. Alors, l'onde de choc provient de l'intérieur de la... cache à l'intérieur, hein. Après, on se dépêche parce que niveau batterie c'est pas top, niveau oxygène c'est pas top. Alors, ça c'est quoi? Ils avaient beaucoup d'alcool ici, hein. Machine à café. Mais écoutez, il y a des étages, donc on va essayer d'aller voir en Simoff. Que je vois. Regardez, il s'en prend mon Simoff, l'enfoiré. Mais j'y pense. Oh, je suis débile en fait. On va retourner. Oh, il a pris un peu cher. Mais c'est pas dramatique, rien de. Faudra qu'on recharge des torpilles par contre. Hein. Mais c'est bugué. Je vais le mettre dans le cyclope. Voilà, bon, on est à l'envers, c'est pas grave. Oh, le cyclope est quand même super épique. Parce que si je me souviens bien, comme vous le voyez, j'ai crafté le canon à propulsion. Nous allons donc le tester. Pas de raison. Ça, on pourra se défendre. Et aussi le fusil à stase. On les testera tous les deux. Saleté. J'aurais dû prendre le fusil à stase. Oh, il fait des dégâts cette bête. Hein. Lui, c'est vraiment une saleté. Bon. On va réparer ça. Voilà. Ah oui, le bug. Faire ça normalement, et voilà, le bug s'en va. On retourne. Non mais, je sais pas piloter en fait. Hein. Hop, donc ce qu'on va faire, on va prendre le fusil à stase. Oh, encore un iPhone qui a un problème. Oh bah non, démerde-toi cette fois, je reviendrai plus tard. D'abord, faut le mettre là. Voilà. Oh, toi, tu vas avoir mal, mec. Caution. Mild dehydration detected. Fluid intake recommended. Comme il y en a beaucoup des crab squid en fait. Punaise, il abandonne pas. Hein. Ils me mettent vraiment mal à l'aise, cette bête. Pas de truc à scanner. Oh merde!
ce sont des sales bêtes. On va tester une nouvelle arme. Voilà, bouge plus. N'y a-t-il pas ici un endroit où on peut... Ah, on peut entrer par là. On peut... On va pouvoir scanner le... Quoi, on peut pas le scanner? On peut pas scanner le Alien Containment? Oh, ça par contre, on peut scanner en dessous, j'ai vu quelque chose. Je sais pas ce que c'est tout ça, mais on va remonter... Bref, on a plus d'air. Faut se méfier des crab squid hein, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont agressifs, sale bête. Mais tu vas me laisser, je suis tranquille, lui. Oh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de toi, mec? Oups. Voilà. Ça tient longtemps hein, la paralysie. C'est vachement pratique le fusil à stade. Mais il y a un endroit qui m'arrange pas, on va essayer de l'aggro. Coucou, je sais que t'as attiré par la lumière. Ok. Il a mis mon énergie à zéro. Non, ok, c'est provisoire. En fait, il absorbe l'énergie. Oui, j'ai vu la déshydratation. Mais j'ai de l'eau dans le cyclope, j'irai boire après. Parce que là, j'étais occupé à scanner. Comptoir de laboratoire, ça peut être utile. C'est très long. Équipement de laboratoire, on va ramasser tout ce qu'on peut ramasser. Hein. J'ai vu qu'on pouvait prendre d'autres choses. Mais on va d'abord reprendre notre respiration parce que. J'ai pas envie de mourir. Welcome aboard, Captain. On va éteindre la lumière du coup. Ok, donc on sait maintenant ce qu'ils nous ont tués. Seulement, tu voyez-vous, je suis censé pouvoir scanner le truc comme ça, mais je peux pas, mais... ça m'agace, parce que j'aimerais l'avoir. On ramasse l'équipement de laboratoire, hein. Le petit PDA. Nalvogal, Degassi, prise de risque. Je crois qu'on a pris tout ce qu'il nous fallait. On va rentrer. Parce que là, c'est plus possible. Le Crab Squid commence à me faire paniquer. Il a bruit atroce. Ah ou, il m'attaque. Retour au cyclope, retour au cyclope, retour au cyclope. Faut que je m'assure qu'il nous ait pas suivi. Déjà réparer ça parce que là les dégâts ont été assez énormes. Non, pas ça. Non, il n'a pas détruit mon Simoff, c'est impossible. Oh non, la poisse. Bon, déjà on va mettre ça là, mais qu'est-ce que... Non mais en fait, ce jeu ne veut jamais me laisser jouer tranquille. Hein. Putain, c'est une crise cardiaque.
Simov. Où est le Simov? C'est ce qu'on doit faire. On va essayer de trouver le Simov, voir si elle a survécu. Le Simov a survécu. Mais la créature est peut-être encore dans les parages, va falloir se méfier. Mission récupération du Neptune accomplie. Ah non, mission rentrée entier. Putain, on a perdu de la puissance par contre. Y a pas une des piles qui... Oui. Sauvegarder. C'est un épisode riche en rebondissements, mesdames et messieurs. On a appris beaucoup de choses parce que sur le wiki, j'avais rien vu hein, sur la capacité au Crab Squid d'absorber l'énergie pendant quelques instants. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui. Mission accomplie. Demi-tour. On va tranquillement rentrer à la base. Caution. Blood nutrient levels decreasing. Calorie intake recommended. Oui, je sais, il me faudrait des calories, mais là, c'est pas une priorité. La priorité, c'est de sortir de cet enfer. Ah bon, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Localisation de la zone pour entrer. A priori, je ne trouve pas la zone. Zone localisée. Est-ce qu'on fasse demi-tour? Et on va se diriger tranquillement vers notre base où je vais construire une deuxième moon pool tranquille pour la... pour le Neptune au cas où. Mais nous avons donc maintenant bien deux Simov et ça c'est très très bon. On a exploré, alors voyons voir un peu ce qu'on a pu apprendre parce qu'on a récupéré un... on a récupéré des choses donc. Maintenant qu'on est à peu près en sécurité, on a affronté des Crab Squid, ces sortes de trucs. Bon, vous m'excuserez, j'ai pas scanné tous ces trucs parce que... ouh, en tout cas le fusil à stase est cool. On va le ranger dans armes pour éviter de le perdre. Si tu vois bien ce que c'est ça. Comment ça marche? Ah, faut que ça soit sur un comptoir de scientifique. Normalement, on peut le faire maintenant qu'on a le... machine à café. Et le comptoir de laboratoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On a détecté un message? Alors, le fait est que j'ai rien contre vous, mais on est assez moisi ici, hein. Je voulais juste lire ce qu'il y avait dans le PDA. Suivant des gazis. Prise de risque. Oh, toute la zone est en anglais, ils ont pas encore traduit. On lira ça tranquillement à tête reposée, hein. S'il y a des traducteurs, n'hésitez pas à mettre une traduction. Nous, on va rentrer tranquille... vers chez nous parce que je sais pas que j'aime pas. Allez, un petit coup de klaxon. Oh. Oh, merci les lags. Merci beaucoup. Bon, a priori, on risque pas grand chose. Tant qu'il n'y a pas de voie d'eau. Voilà, donc je pense qu'on va se laisser là pour cette partie de vidéo et on reprendra tout à l'heure pour la suite.
On se retrouve donc pour la fin de la vidéo. Alors vous allez me dire que la vidéo est un peu plus courte que les autres qu'il y a eu récemment. Oui, mais en même temps vous avez eu plusieurs grosses vidéos où j'ai quand même... Ça a duré plus longtemps, on peut le dire. Donc voilà. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. J'ai tout simplement équipé notre petite base. D'une seconde Moonpool pour le Seamoth, pour pouvoir garer mon deuxième Seamoth, puisque j'en ai maintenant deux. Mais voyez-vous, je pense que dans les prochains épisodes, nous irons voir ce fameux centre de maladie. Parce que finalement, n'est-ce pas, nous avons une cyclope. Donc on emmènera un Seamoth et voilà. Hop. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on va le réparer parce que le Neptune 1 est amarré. Et voilà. Donc voici. Donc la prochaine fois, on ira tout simplement à ce fameux laboratoire. Mais un petit sondage à faire passer avant de quitter la vidéo. Est-ce que vous voulez qu'à partir de maintenant, on arrête le Subnautica et qu'on passe en un Subnautica de version narratif. Même si je pense que honnêtement, j'ai encore matière à faire plusieurs vidéos normales avant de passer en narratif, mais il n'est pas exclu que je fasse un épisode, un petit let's play narratif sur Subnautica. Donc voilà, vous me direz en commentaire, et moi, on verra tout ça pour les prochains épisodes. Donc sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser le petit pouce bleu et un petit commentaire. Je vous dis, salut, c'était Lux.